Dans cette vidéo, avant de poursuivre notre navigation dans l'archipel des îles Canaries, nous allons chercher le nord et appliquer les variations, déviations et autres déclinaisons qui modifient notre façon de tracer une route ou de suivre un cap. Alors, bienvenue sur l'eau. La plupart des opérations et calculs sur les différents nords et les routes suivies par notre bateau n'utilisent que l'addition et la soustraction. Une fois les principes bien assimilés, il est facile de retrouver l'ensemble du développement, même après avoir oublié les termes employés par les marins. Le nord, indiqué par la carte, le nord géographique, est appelé par les navigateurs nord vrai. Notez grand N, petit V. Sur le papier, les lignes verticales sont orientées nord-sud, avec le nord en haut de la carte. Le nord magnétique, noté grand N petit m, résulte de phénomènes planétaires. Nous avons vu dans notre vidéo sur la cartographie terrestre qu'il varie en fonction de notre position géographique et en fonction de l'année. L'écart entre le nord vrai et le nord magnétique s'appelle la déclinaison. Nous la notons grand D. La déclinaison est négative quand le nord magnétique est à l'ouest du nord vrai et positive quand le nord magnétique est à l'est du nord vrai. Sur les bateaux, un compas de route est fixé à l'extérieur et permet au barreur de suivre un cap. Sur cette illustration, il est placé derrière la barre à roue d'un voilier et offre une bonne visibilité. À l'installation, un technicien effectue un premier ajustement appelé compensation pour minimiser les erreurs. Et bien que le compas soit correctement réglé pour suivre le nord magnétique, les masses métalliques à bord, le moteur par exemple, le perturbent. Le nord du compas va donc dévier par rapport au nord magnétique et cette déviation va dépendre du cap suivi par le bateau. À droite de l'image, nous avons représenté le compas et le moteur de notre bateau. Traçons l'axe de déplacement du navire et l'axe compas-moteur. Chaque bateau a des caractéristiques propres. Pour un couple compas-bateau, nous réalisons donc un graphique qui montre la déviation par rapport au nord magnétique en fonction du cap suivi. À gauche de notre vidéo est affiché un exemple de courbe de déviation. Les différentes positions des masses métalliques engendrent pour certains caps une déviation est positive et pour d'autres une déviation ouest négative. Le nord indiqué par le compas de route est le nord compas. Notez grand N petit c. Et nous écrivons petit d la déviation. Enfin, la relation entre le nord vrai et le nord compas s'appelle la variation. Nous l'écrivons grand W. Voyons maintenant sur notre représentation graphique les différents cas de figure possibles.
nord magnétique à l'ouest du nord vrai, déclinaison négative. Déviation négative. Variation négative. Nord magnétique à l'ouest du nord vrai, déclinaison négative. Déviation positive. Variation négative. Nord magnétique à l'ouest du nord vrai, déclinaison négative. Déviation positive. Variation positive. Nord magnétique à l'est du nord vrai, déclinaison positive. Déviation positive. Variation positive. Nord magnétique à l'est du nord vrai, déclinaison positive. Déviation négative. Variation positive. Nord magnétique à l'est du nord vrai, déclinaison positive. Déviation négative. Variation négative. Sur les cartes marines sont imprimées des roses des vents ainsi qu'un texte qui donne toutes les informations pour calculer la déclinaison. Le texte est généralement composé des éléments suivants. Un angle en degrés minutes, une année, un angle en minutes. L'angle en degrés minutes est la déclinaison principale pour l'année de référence. Il est accompagné d'une lettre, ici W pour ouest, et nous informe que la déclinaison est négative. L'année est l'année de référence à partir de laquelle nous appliquons les modifications. L'angle en minutes est l'augmentation ou la diminution à appliquer par année par rapport à l'année de référence à la déclinaison. Il est accompagné d'une lettre, ici E pour est. Quand les lettres sont différentes, nous avons une diminution. Quand elles sont identiques, c'est une augmentation de la déclinaison. Dans notre exemple, nous avons 3 degrés 20 minutes de déclinaison ouest. L'année de référence est 2005 et nous considérons que nous sommes en 2015, soit 10 ans d'écart. Les lettres sont différentes. Nous avons donc une diminution de la déclinaison de 7 minutes par an pendant 10 ans, soit 70 minutes ou 1 degré 10 minutes que nous retranchons aux 3 degrés 20 minutes. Ce qui fait 2 degrés 10 minutes toujours en déclinaison ouest. Pour finir, voici comment marquer un relèvement par rapport aux différents nords. Le relèvement d'un amer sera noté grand Z petit v quand il est en corrélation avec le nord vrai, grand Z petit m quand il est en rapport avec le nord magnétique et grand Z petit c quand il est en relation avec le nord compas. Si le relèvement se fait par rapport à la ligne de foie du bateau,
nous l'appelons gisement. Notez, grand G, petit T. Le gisement, souvent réalisé à l'œil avec des repères pris sur le bateau, permet de déterminer s'il y a risque de collision avec un autre bateau. Dans le temps, un gisement constant indique un risque d'abordage. Avec ces connaissances, nous pouvons finir la préparation de notre navigation dans l'archipel des îles Canaries. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour larguer les amarres. À bientôt avec le dernier voyageur, près de chez vous ou à l'autre bout du monde.